Why is this happening to me? What do you think happens when we die? Qu'est-ce qu'il y a de plus pénible que le vivre avec soi-même? Réveille-toi. Bienvenue dans Wake Up Conversations. Je suis Anaïs Raoux, cofondatrice et CEO de Wake Up. Dans ce podcast, j'esquisse les contours d'un monde du travail humaniste auquel j'aspire. Je tends donc mon micro à des entrepreneurs, des sociologues, des scientifiques et des philosophes qui croient que l'homme est bon. Si vous êtes manager, dirigeant, DRH et que vous souhaitez adopter un leadership conscient, je vous invite à découvrir nos accompagnements et notre boussole sur www.wake-up.io. Maintenant, place à l'épisode du jour. Pour clôturer cette saison, je reçois un invité exceptionnel, Michel Leclerc, le fondateur de Decathlon. Au-delà du succès fulgurant de Decathlon, ce qui est impressionnant, c'est la capacité qu'a eu Michel à insuffler des valeurs et un sens humaniste dans un groupe qui compte aujourd'hui plus de 90 000 collaborateurs. Michel nous raconte les débuts de cette aventure et nous livre les convictions humanistes qui l'animent encore aujourd'hui et qu'il transmet au sein d'Humus, le nouveau projet qu'il a fondé. Je profite de cette introduction pour remercier Laure et Julien de l'équipe Humus qui ont rendu cet épisode possible. Allez, installez-vous confortablement, je vous emmène dans cette conversation avec Michel Leclerc. Merci beaucoup Michel d'avoir accepté l'invitation. Merci Anaïs. Alors on va démarrer avec une question que j'aime bien, que je pose à tous mes invités. Oui. Qui êtes-vous, Michel Leclerc? Oh là là, je me pose cette question. Qui suis? Je suis un monsieur de 81 ans. J'ai la chance d'avoir une excellente santé pour mon âge. Marie-Claude et moi, nous aimons bien et on est heureux de vivre ensemble. J'ai monté l'association Humus chez qui nous sommes actuellement, après avoir pris ma retraite de la responsabilité de l'entreprise Decathlon, que j'ai eu la chance de fonder et qui s'est, comme vous le savez, très très bien développé. On va en parler. Quel souvenir avez-vous de votre enfance? Mon père est mort quand j'avais 5 ans. Et écrasé par un camion nazi. Comment était-ce de grandir petit garçon sans un papa? Nous étions 7 frères et sœurs, donc moi j'étais le quatrième. Donc quand les petits avaient une double part de gâteau, j'étais du côté des petits. Et quand les grands pouvaient aller au cinéma, j'étais du côté des grands. Donc ça m'a appris un petit peu à être opportuniste. Et j'aimais beaucoup les deux frères qui m'entouraient. Là, au passé, malheureusement, Ignace est décédé. Mon frère Georges et mon frère Ignace, puis l'autre tout le reste de la fratrie. Mais j'ai eu une jeunesse, malgré la mort de papa, heureuse. Maman avait un caractère très heureux et a supporté le veuvage, je crois. Enfin, elle a fait ce qu'elle a pu. J'ai déjà entendu cette anecdote où vous racontez que votre maman, à l'âge de 12 ans, vous donne 40 francs. Racontez-nous. Maman ne m'a pas donné 40 francs, maman m'a donné l'équivalent de 40 euros. Parce que j'ai été voir sur Internet et j'ai vu qu'un poussin, ça coûtait 1 euro aujourd'hui. Un poussin d'un jour. Et donc, comme j'étais nul à l'école, sans doute dû au décès de mon père, j'en sais rien, il faudrait demander au docteur Freud. Mais j'étais perturbateur, vraiment le gros perturbateur. Je faisais ça très bien, les fléchettes enflammées, les bombes puantes, tout ça. Oui. J'étais le king des chahuts. Je trouvais ça drôle, mais en fait j'étais un sale gosse. Et donc je le regrette parce que j'ai humilié des profs, tout ça, c'était pas bon. Et maman, qui s'appelait Jeannette Mullier. Donc, il y a l'entreprise dans le sang, a dû se dire, il faut qu'il ait un projet. Et maman m'a prêté une quarantaine d'euros. Je prends ce qu'elle a dû, si c'était aujourd'hui, ce serait un billet de 50 euros.
je suis parti tout seul en vélo au marché aux bêtes de Roubaix. Nous habitions Tourcoing, une dizaine de kilomètres. Et donc, je suis allé tout seul acheter des poussins. J'en ai acheté 40, pas 3, 40. Et un petit poussin pour un gosse d'une dizaine d'années, 12 ans, c'est un dédoublement de personnalité, comme une doudou pour un bébé. Donc, ces petits poussins, moi, je les caressais. Et quand j'ai eu acheté mes 40 poussins, et c'était dans une caisse en carton, qui devait être à peu près grande comme ça, que j'avais installé sur le porte-bagages de mon vélo. Et en rentrant, j'entendais des petits poussins qui passaient le bec par les trous du carton et qui criaient « cui-cui, cui-cui ». Et moi, j'entendais « Michel, j'ai faim, Michel, j'ai faim ». Et ces petits poussins que j'ai trouvés mignons, etc., je m'en suis senti complètement responsable. Donc, c'est-à-dire que « ponçable » qui pèse, reste la chose, c'est pas des choses, c'est des petits poussins, mais j'en étais vraiment responsable. Donc, je me levais une demi-heure avant mes frangins pour aller leur donner à manger. Toutes les semaines, je passais une demi-heure, trois quarts d'heure, plus que ça, j'imagine. Peut-être 2 heures à nettoyer les poulaillers, à tout ranger. J'ai appris à bricoler, le fil de fer, les pinces, tout ça, pour réparer les grillages. C'est un vieux poulailler qui était au fond du jardin. Et puis, j'ai dû apprendre à tuer ces petites bêtes que j'aimais. Ça, c'est un paradoxe que vivent les paysans. C'est de tuer ceux qu'ils aiment pour... la première fois, c'était une très très forte émotion. Puis après, bon, on s'habitue. Donc, pour aller les vendre à mes oncles et tantes. Okay. Je me suis fait beaucoup d'argent avec ça. J'ai pu m'acheter le plus beau vélo de la famille, le seul qui avait un dérailleur. Donc, vous vendiez les poulets, en fait. J'ai vendu les œufs. Les œufs, ok. Et grâce à cela, quand j'ai quitté l'armée, après mon service militaire, je cherchais du boulot. Et... j'étais demandé mon conseil à mon oncle Gérard Mullier, le fondateur de Fildart, père de Gérard Mullier, le fondateur d'Auchan. Et mon oncle Gérard, j'étais lui demander conseil pour mon orientation professionnelle. Et Gérard, mon cousin, m'a dit que le soir même, mon oncle Gérard a téléphoné à Gérard en disant « Tu cherches un boucher, il y a Michel qui change du boulot. Peut-être que ça peut aller ensemble. » Parce qu'il savait que je lui avais livré des poulets qui était bien ficelé, tout ça, proprement, puisque j'avais appris à le faire. Et donc, Gérard s'est dit, ben, Michel, il n'a pas peur de mettre des mains là-dedans. Ça peut être un bon boucher. Donc, j'ai été embauché comme boucher au début d'Auchan. J'ai eu une formation pendant un an pour apprendre la boucherie, le lendemain de mon recrutement. Et au bout de cette formation d'un an, j'ai fait une école dite supérieure des métiers de la viande. J'ai travaillé en abattoir, j'ai travaillé à désosser des carcasses, tout ce travail de boucherie. Et j'ai côtoyé des bouchers que j'aimais beaucoup. Ce sont des gens chaleureux, que j'aime bien, très concrets. Et donc, je finis mes stages, je reviens voir Gérard Auchan. Il me dit, j'ai viré la crémière hier. Tu peux le remplacer. J'ai dit, ben moi, j'y connais rien en crèmerie. Et il m'a répondu, ben moi non plus. Et tu prends la crèmerie. Donc, je me suis trouvé responsable de la crèmerie. J'y connaissais rien. Et là, j'ai dû demander conseil, ce que j'aime beaucoup, aux vendeuses qui étaient là, Bernadette, Lisette, ce qui étaient des filles formidables. Et donc, elles m'ont appris tout le métier. Voilà. Puis après, j'ai eu des responsabilités petites, mais importantes pour moi, comme mes poussins. C'était une responsabilité petite, mais j'avais le droit de vie ou de mort sur mes poussins. Et sur les collaborateurs, sur les vendeuses du rayon crèmerie, et j'étais leur responsable. Donc, j'étais moi responsable qu'elles fassent une belle carrière, qu'elles se développent. Et ça m'a énormément motivé, ça me motive toujours à 80 ans. Donc vous êtes resté combien de temps dans cette... À Auchan jusqu'en... une vingtaine d'années, je crois, un truc comme ça. Quand je suis rentré, on était 35. Quand j'ai quitté, nous étions 7000. Donc, j'ai une carrière dingue de responsabilités successives et surtout bien progressives. Et à partir du concret, ce que j'aime, et pas à partir du bureau, pas à partir du marketing, de la finance, même des ressources humaines un peu abstraites, j'ai eu la chance de démarrer à contact des choses et des gens. J'aime les gens, j'aime les choses. Ça s'apprend pas dans les bouquins. Ça s'apprend en le faisant. Ça, je sors mes mains. Sur le terrain. Ça s'apprend en le faisant. On dit aujourd'hui sur le terrain. Moi, je dis dans l'action. Avec des gens,
les gens qu'on voit là, en chair et en os, on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Non. Pour aimer l'humanité, il faut commencer par aimer des personnes, je pense. Bien sûr. Oui. Et alors, racontez-nous, parce que c'est donc ce moment où, qui va être charnière pour vous, où vous allez du coup partir d'Auchan et monter Décathlon, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? J'ai été viré d'Auchan. Gérard Muller m'a dit, c'est le plus grand service que je t'ai jamais rendu. Bon, c'est vrai. Donc, de cet obstacle, de cette tristesse, chercher du boulot, une activité professionnelle, et il était hors de question que j'aille travailler chez Carrefour ou chez Euromarché ou chez Tutti Quanti, parce que je suis pas un infidèle, et que mes amis qui travaillaient chez Auchan, j'allais pas essayer de leur tirer dans le dos. C'est pas moi de faire ça, même si je suis viré. Donc je déteste que les gens aillent en concurrence. C'est pas mon truc. Qui crée du nouveau, oui, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait le tour des Auchan, j'ai vu, je connaissais par cœur parce que je dirigeais leur centrale d'achat à ce moment-là, mais néanmoins je l'ai fait physiquement en magasin. J'ai fait tous les linéaires d'Auchan Anglo près de Lille, et je me suis dit quels sont les points faibles de l'hyper, quels sont les points forts de l'hyper, dans quoi je peux réussir en face d'un hyper. Comme j'ai quitté Auchan en bon terme, ça c'est un conseil que je donne, ne quittez jamais une boîte en mauvais terme. Mettez de l'eau dans votre vin, même si l'autre a tous les torts. Ne quittez jamais une boîte en mauvais terme. Les chemins vont se recroiser. La terre est toute petite. Les chemins se recroisent. C'est ce qui s'est fait, puisqu'après, les Mulliers sont rentrés chez Décathlon. Donc, si je m'étais bagarré avec Gérard Mullier, c'est tout. Décathlon existerait moins bien. Mmh. Enfin, différent. On en parlera, oui. Mmh. Mmh. Et donc, enfin, on ne peut pas s'empêcher de, en tout cas moi, de faire le parallèle avec ce discours de Steve Jobs, où il raconte qu'il s'est fait virer d'Apple, après il crée Nest, enfin bon, bref. Je n'y ai pas pensé. Ah. Je ne vais pas me comparer à Steve Jobs. Mais quand même. Que je pense qu'il a eu beaucoup de chance dans la vie, et moi aussi. Oui. Certainement. Et donc, vous montez ce Décathlon sur le terrain du premier centre commercial d'Auchan à oui. Anglos en 1976. Oui. Si je m'étais mal entendu avec Auchan, jamais j'aurais pu m'installer là. Comment naît l'idée? Justement, j'ai fait le parcours de tout l'hyper, ce qu'on appelle les linéaires, un par un. Je n'avais pas d'appareil de photo numérique dans ma poche, mais si aujourd'hui c'était à refaire, je reprendrais des photos de tous les linéaires. Et je me suis dit, dans quoi je peux réussir? Mon premier instinct, c'était de partir dans le sport, sans aller travailler pour un autre employeur, mais créer une boîte. Ça, c'est l'instinct familial. Et parce que j'ai vu que le rayon sport, je ne l'ai pas trouvé chez Auchan. Ni chez Carrefour, il n'y avait pas de rayon sport. Les chaussettes de sport étaient au rayon chaussettes, les chaussures de sport étaient au rayon chaussures, hommes, femmes, enfants. Les raquettes de tennis étaient au rayon jouets, les vélos étaient au rayon bricolage, je crois, je ne sais plus. Et donc, il n'y avait pas ce rayon, cette approche par l'utilisateur, mais excusez-moi, c'est un peu technique, il y avait une approche par le client. Donc, j'aime beaucoup cette distinction client-utilisateur que j'avais essayé de mettre en route chez Auchan, je n'avais pas réussi, et que j'ai bien fait, je pense, enfin, ça s'est bien fait chez Décathlon, où on était au service de l'utilisateur plus qu'au service du client. Donc, de celui qui utilise les chaussures plus que de service de celui qui les achète. Mmh. Il faut qu'on soit bon pour permettre le bon choix, le meilleur choix par le client pour l'utilisateur. Mais surtout, il faut que le produit ait un très bon rapport valeur-prix et qualité-prix, si possible, exclusif. Mmh. Donc, très différenciant. De ce que vous dites, est-ce que cette décision de créer Décathlon, c'est au moment où l'idée émerge en vous, est-ce que c'est un raisonnement analytique où vous dites il y a cette pièce manquante dans la chaîne, ou est-ce que c'est une intuition qui vous traverse? C'était complètement instinctif. Oui. Non, j'aimais pratiquer le sport, j'avais des amis qui le pratiquaient. Aujourd'hui, j'adore encore quand je me balade dans la campagne, quand je vois un papa qui fait du vélo avec un petit gamin sur son porte-bagages, avec un casque Décathlon si possible. Between, mais je suis content pour lui. Donc, être entouré de gens heureux, ça rend heureux. Enfin, moi, personnellement, ça me rend heureux d'être entouré de gens heureux. Et les gens qui pratiquent le sport, ils sont plus heureux que les autres. Oui, ça, c'est évident. Mon oncle Gérard, qui m'avait donné pas mal de conseils, quand j'étais le revoir avec mon projet,
Il m'a dit, tu mets le tiers de ce que tu as, comme ça tu pourras te développer si ça marche bien, et pas être à sec si ça foire. Et donc, j'ai le premier magasin, j'ai mis à peu près l'équivalent d'une maison, plus des prêts, et pour monter ce premier magasin à Anglou. Et comment étaient les débuts ? On a cartonné tout de suite. Mais j'ai eu très peur. Pourquoi j'ai eu très peur ? Parce que quand des fournisseurs ont su que ma maman s'appelait Jeannette Mullier, l'étiquette Mullier a fait peur. Mullier, c'est Auchan, etc. Et donc, grande surface périphérique, casseur de prix, etc. Et le salon du sport qui a suivi l'ouverture de Decathlon, j'ai appris que j'étais viré de la centrale Sport 2000. Comme quoi, d'être viré, ça peut faire du bien, puisque je n'avais pas pensé, j'étais viré d'Auchan, j'étais viré de Sport 2000, tiens. J'étais viré deux fois, j'avais oublié. Et puis du collège aussi, ça m'a beaucoup servi. Donc, le rebond. Donc, quand j'ai appris qu'on était viré de Sport 2000, on a dû créer nos propres produits, notre propre marque, la marque ou marque de Decathlon, et ça a permis d'avoir une offre exclusive. Donc ça a contribué à notre succès. La difficulté, c'est pas dans l'opulence qu'on réussit, hein, c'est pas la quantité. Pour des entrepreneurs, avoir trop d'argent est un handicap énorme. Allez-y. C'est pour ça que l'oncle Gérard m'a dit, tu mets le tiers de ce que t'as, c'était tout juste. C'était pas facile, on a dû grignoter, et donc on n'a pas mis de fioritures dans le magasin, il n'y avait pas de bouquet de fleurs séchées, c'était tout simple, l'offre était toute simple, des gondoles toutes simples, et donc le produit était le héros, et pas la décoration. Mais moi j'aime bien de voir l'essentiel, de voir les fonctionnalités, de voir à quoi ça sert, plutôt que de voir des petites fleurs et des petits oiseaux dans un magasin de sport. Hyper intéressant de faire le parallèle avec, en tant qu'entrepreneur, avec, on a toujours, comment dire, l'impression de vouloir avoir quelque chose de parfait. Et finalement, le message que vous passez, c'est surtout se concentrer sur l'essentiel et ce qui fait vraiment la valeur du produit, du service. Il y a deux mots que j'adore. Et humus aurait pu s'appeler comme ça, mais j'aime beaucoup le mot humus qui veut dire terre en latin, la terre. En français, c'est plutôt la décomposition des feuilles, etc., qui est formidable parce que ça veut dire que de la mort renaît la vie, de l'échec renaît le rebond, etc. Et donc, il y a deux mots que j'adore maintenant, on en discute beaucoup. C'est généreux et responsable. Donc, je pense qu'un magasin, un fabricant de voitures, un fabricant d'ordinateurs, un fabricant de tout ce que vous voulez, une entreprise, si elle a ces deux caractéristiques, généreuse et responsable, maintenant je dis responsable, responsabilisant. Ça, c'est ce que j'ai eu chez Auchan. Ma famille Mullier étaient des gens très généreux. Ma très chère mère, mes oncles, je sais qu'ils étaient très généreux, ils l'ont prouvé à maintes reprises, et irresponsables. Donc, ils ne se sont pas couchés, ils se sont mis debout. Je ne me suis pas couché après mes échecs, je me suis mis debout parce que c'est mon instinct de vie, et puis en même temps, d'être responsable de plus que moi. Vous savez que si votre objectif est en vous, si mon objectif est en moi, je vais tourner comme une toupie autour de mon nombril, la recherche de mon objectif. Si mon objectif est dans l'autre, dans les autres, ou dans l'autre, dans ma femme, dans mes enfants, dans les collaborateurs de l'entreprise, dans les clients, dans les utilisateurs des produits, ça me pousse en dehors de moi, ça me donne une direction qui est externe à moi, donc de la stabilité. C'est le concept de l'étoile qui est dans l'évangile, en tout cas, dans d'autres religions, la voie, la route, le chemin, etc. C'est en dehors de soi. Donc, quand on sort de soi-même, je pense que quand je sors de moi-même, parce que mon objectif est en dehors de moi, ça me donne beaucoup d'énergie. Alors que donc, si c'était tourné autour de moi, j'ai la plus belle auto, j'ai la plus belle maison, j'ai la plus belle femme, j'ai le plus beau machin. Donc, responsabilité au sens presque de mission,
Mission, j'aime beaucoup ce mot-là. Vous pensez Excusez-moi, qu'on a... je vous ai coupé. Non, vous pensez qu'on a tous une mission de vie? Tous, malheureusement, je pense qu'on peut tous en avoir une, mais beaucoup ne l'ont pas conscientisée, ne l'ont pas verbalisée. Moi, j'ai la chance d'être interviewé aujourd'hui par vous, et ça m'oblige à réfléchir. Vous me posez des questions sur ma mission, ça m'oblige à réfléchir, à trouver des mots. Et beaucoup de gens ont une mission, mais ils ne savent même pas. Et donc, c'est dommage. Pour ça que notre rôle ici chez Humus, c'est d'aider des gens à trouver le sens de leur vie, à trouver à quoi ils vont servir, à qui ils vont servir, à trouver leur mission. Oui. Et donc, pour ça que j'aime beaucoup Humus et ce qu'on y fait. Oui, on va en parler après plus en détail. Moi, j'adore et je rebondis dessus parce que c'est un de mes livres préférés. Je ne sais pas si vous l'avez lu, L'Alchimiste de Paolo Coelho. Bon, c'est l'histoire d'un berger qui s'appelle Santiago et qui part à la recherche de sa légende personnelle. Je ne vous dis pas la fin, vous le lirez. Oui. Mais se passe en Italie du Nord ? Ça se passe en Espagne. Ah non, alors je ne l'ai pas lu. Et Paolo Coelho file cette métaphore de la mission de vie tout au long du livre. Et effectivement, beaucoup ne l'ont pas conscientisé, je suis complètement d'accord avec vous. Pour moi, la mission, c'est le comment... qui est lié au pourquoi. Alors le pourquoi, c'est plus philosophique, c'est plus abstrait, c'est plus difficile de trouver son pourquoi que de trouver sa mission. Alors pour les gens actifs et concrets comme moi, je pars plutôt de la mission pour trouver mon sens, pour trouver mon pourquoi. D'autres, ils sont plus cérébraux, moins concrets, chacun est comme il est, ils vont plutôt partir de l'idée, du sens, du pourquoi pour arriver à la mission. Et le pourquoi, c'est difficile. Si je prends mon micro, je dis bonjour mademoiselle, je suis dans le tramway, là, parce que je prends souvent le tramway, j'aime bien. Bonjour mademoiselle, quel est le pourquoi de votre vie? Qu'est-ce que vous me répondez? Mais vous êtes méchant, monsieur. Vous me posez une question vache. Mmh. 98% des gens n'ont pas pris le temps de réfléchir au pourquoi de leur vie. Ou ils ont reçu des pourquoi tout faits, stéréotypés. Et donc, ce qui les a presque empêchés de réfléchir au pourquoi de leur propre vie, dans certains cas. Et donc, moi, j'aime bien de dissocier quel est mon pourquoi, point d'interrogation, question difficile. Alors là, ce qui se divise en deux questions faciles, mon pour qui, quoi. Donc, si je dis, bonjour mademoiselle, est-ce qu'il y a des gens que vous aimez? Oui. Oui. Elle a un sourire formidable. Elle me dit, oui, il y a des gens que j'aime. Et dans votre tête, il est passé 2-3 personnes ou plus que vous aimez. Mm. Peut-être vos parents, les copines, je ne sais pas quoi, frère et soeur, de vos proches. Des gens qui vous sont proches, qui vous sont chers. Et donc, ça, c'est facile comme question. Et qu'est-ce que vous leur souhaitez? Quoi? On va toujours tourner autour du bonheur. Les gens que vous aimez, qu'est-ce que vous leur souhaitez? Du bonheur. D'être heureux, voilà, du bonheur. Donc, les bonheurs se multiplient. Pour ça, moi, j'aime bien, je conseille de le faire avec des enfants. Donc, on prend une page de papier, on marque plaisir d'un côté, bonheur de l'autre, un pointillé entre les deux, très important, pas un trait plein, et on fait écrire par des adultes, c'est intéressant, mais avec des enfants, je l'ai fait avec mes petits-enfants, plaisir, bonheur, là, mettez des mots. Là, du coup, le plaisir, mettre chocolat. Et puis, qu'est-ce qu'il va mettre du côté bonheur? Mmh. Ça vient, les gosses 7-8 ans, ils ne sont pas bêtes. Hein. Ils savent très bien qu'il y a une différence entre plaisir et bonheur. Oui, bien sûr. Mais c'est fondamental, cette notion de plaisir, de bonheur. J'en parlais dans un épisode avec... c'est le premier épisode que j'ai enregistré de ce podcast avec Jonathan Lehmann sur... des sujets de méditation, parce que être dans l'instant présent, en tout cas cultiver cette pleine conscience, disons-le comme ça, nous attire beaucoup plus vers le bonheur qu'un plaisir instantané. Moi, je me définis plutôt comme homme d'action que homme de réflexion, surtout tout seul, en méditation, tout ça. J'aime bien me chasser instinctif et puis... il y a un tas de cailloux, une pelle, bon, j'y vais, je prends la pelle et puis le tas de cailloux, puis après ça, je me dis, qu'est-ce que je suis en train de faire là? À quoi ça va servir? Voilà, c'est bon. Et puis là il faut réfléchir. Mm. Méditer, c'est peut-être beaucoup, mais un petit peu quand même, au calme, réfléchir. Là, pourquoi je fais ça? Pour qui je fais ça? Et à ce moment-là, l'énergie est décuplée et on peut la communiquer. Ça, c'est,
si on parle du management, on... oui. Non, non, tout à l'heure. Mais on va revenir sur, sur ce qu'on disait avant de partir sur des notions un peu plus philosophiques. Mais on parlait de ces débuts de Décathlon et notamment ces premières frayeurs avec la concurrence qui, du coup. Et mes fournisseurs qui ne m'ont pas livré surtout. Voilà. Oui, donc mon magasin était à sec. En quelle année? Tout début. 2016, ouais. À l'ouverture. Donc ils m'ont bien approvisionné. Quand j'étais Sport 2000, mon bon de commande, ils avaient marqué Sport 2000, etc. Puis j'avais eu des réunions avec eux, sympathiques, j'aimais bien. Mais ils ont eu peur, donc ils m'ont viré. Et au salon du sport, quand j'ai appris que j'étais viré Sport 2000, les fournisseurs me tournaient le dos. Donc, ils tournaient le dos des chefs de rayon qui faisaient les achats. De Stéphane Delsalle, de Nicolas Dubrul, de... le Benoît Coisin, le Stanier Arnoux, etc. C'est un type extraordinaire. Et donc, que j'aimais beaucoup. Et donc, avec qui on a fait Décathlon, ben, les fournisseurs nous ont tourné le dos. Ils faisaient semblant de ne pas nous voir. Ils n'ont pas le droit de dire non, mais ils parlent de la pluie du beau temps quand on leur demandait si ils pouvaient nous livrer. Mmh. Et donc, j'ai eu très peur. Qu'est-ce que vous vous dites justement? Parce que ça, c'est une anecdote, un obstacle que vous avez rencontré. Oui, mais cet obstacle nous a obligés à créer les produits de notre propre marque, qui fait la raison du succès de Décathlon aujourd'hui. Merci tous ces fournisseurs, merci Monsieur Peugeot, merci Monsieur Adidas, il nous a livré après, mais au début c'était très dur, mais les vélos Peugeot, cette marque a disparu du paysage français, ou quasiment, mais ils ont refusé de nous livrer. Et avant de trouver cette solution de créer vos propres produits... Ben c'était obligé, on ne l'a pas trouvé, elle nous a été imposée. Oui, mais qu'est-ce que vous vous êtes dit dans ce moment-là, où on vous tourne le dos? Sauf qu'il peut nous couler. Oui. Et comment vous avez... Ce qui m'intéresse, c'est parce que des obstacles dans la vie, on en rencontre tous, et je sais qu'il y a aussi des entrepreneurs qui nous écoutent, qui en vivent, et... Je me dis, dans ces moments durs où on ne voit pas la lumière et où voilà, on attend quelque chose et ça ne vient pas, qu'est-ce que vous vous dites là? Vous employez des mots formidables. Vous dites, on ne voit pas la lumière. Tout à l'heure, je parlais d'étoiles. Donc, c'est le sens de la... Si on a un sens dans sa vie, et si on le sait, si on a eu la chance de faire un peu de travail sur soi, un peu d'introspection, je ne suis pas si contre que ça, parce que ça ne m'a pas changé, mais ça m'a permis de savoir mieux qui j'étais et comment utiliser mes forces et vivre avec mes faiblesses. Et donc, répondre à cette question qui suit, c'est une très bonne question. Hein. Qui êtes-vous? C'est ce que vous m'avez demandé tout en début, je crois. Oui, absolument. et donc, j'aurais dû peut-être vous répondre ça tout à l'heure. Je suis... Le chambre de Verbette, je suis mon projet. Voilà ce que j'ai trouvé de moi. Donc, je suis Michel, moi, je suis quoi? Un projet. C'est pour ça que je monte Humus. Je suis en retraite, là, j'ai 81 ans, mais j'ai monté Humus, maintenant, avec des gens formidables avec qui j'ai la chance de travailler. Et c'est un projet. Projet, j'aime beaucoup, je l'écris PRO-G. Pro en avant, G, je me jette. Donc, je suis aujourd'hui, moi, je suis sur une ligne de départ. À 81 ans, être sur une ligne de départ, c'est formidable et ça donne beaucoup d'énergie. Donc ce que vous dites, c'est que quand les obstacles arrivent, quand ces difficultés se présentent, c'est d'aller rechercher à l'intérieur sa flamme, ce qui nous anime et ce qui fait qu'on est dans... Tout à l'heure, je vous ai dit que si le projet est à l'intérieur, je vais tourner en rond autour de mon nombril, j'ai dit, mais autour de moi. Si le projet est à l'extérieur, si le pour qui, c'est pour quelqu'un d'autre que moi, et ce qui est formidable dans la recherche du bonheur de l'autre, si ma dynamique c'est l'amour, c'est en dehors de moi, c'est pour quelqu'un, mais ça fait mon bonheur. Le bonheur de l'autre fait le mien. Donc c'est un truc qui s'alimente, c'est pas une batterie qui se vide, c'est, au contraire c'est une batterie qui se remplit. Vous comprenez? Oui. Donc, c'est d'aller chercher ça, c'est d'aller... En ce qui me concerne, par l'action plutôt que par la réflexion métaphysique ou religieuse, c'est pas... Je suis plutôt un homme d'action, voilà. Quand on regarde aujourd'hui
Décathlon en chiffres, donc c'est plus de 90 000 personnes, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez démarré... Et des très, très beaux résultats. Oui, et vous avez démarré à 7 et voilà, c'est un succès. En tout cas, voilà, je voulais vous amener sur cette notion de la réussite parce qu'à l'échelle de la société, de la presse, de l'extérieur, c'est ce qu'on appelle la réussite. Oui. Est-ce que vous diriez que vous avez réussi? J'ai eu une question... Un jour devant, je ne sais plus, 500 personnes, quelque chose comme ça, de Décathlon, une clôture d'année, un lancement de je ne sais pas quoi, j'ai oublié. Et j'ai eu une question de quelqu'un qui était dans la salle, qui m'a dit, Michel, de quoi es-tu le plus fier? Et puis, moi, je n'avais pas préparé ma réponse, évidemment. Et tout, c'est venu, j'ai répondu, et c'était très sincère, instinctivement, comme vous le disiez tout à l'heure, de toi. Ce dont je suis le plus fier, c'est de toi. Et c'est tout à fait sincère. Et c'est encore aujourd'hui. Chez Humus, ce dont je suis le plus fier, c'est de Julien, c'est de Laure, c'est de Domiti, c'est de Ludivine. C'est pas de la... Est-ce qu'on réussit? Je ne sais trop rien. Mais est-ce qu'il y a des gens heureux chez Décathlon? Je ne sais pas si vous avez déjà été dans les magasins Décathlon, j'espère pour vous. les gens que vous rencontrez, moi, c'est ce que me disent mes amis. Michel, c'est dingue, chez Décathlon, ils sont tous sympas. Mais c'est les gens les plus sympas. Mais je ne sais pas si vous avez... Mais c'est une boîte dans laquelle les gens sont étonnamment sympas. C'est formidable. Mais moi, je suis très fier de ça. Ça, c'est la réussite, la vraie. La taille n'est pas un but. Si Décathlon faisait 10 milliards, je ne sais pas combien, 100 milliards au lieu de 10 milliards, gagner 300 milliards au lieu de gagner je ne sais pas combien, je m'en fiche. Mais alors, je m'en fiche complètement. C'est pas mon but. Et moi, j'aime bien dire la réussite, mais ce n'est pas mes mots, mais c'est votre question. Moi, je dis, mon but, c'est d'être heureux sur le chemin. Il y a beaucoup de religions en lesquelles on parle du chemin, etc. Être heureux sur le chemin, mon bonheur passe par celui des autres. Donc, être heureux ensemble sur le chemin, c'est ce que j'ai en montagne. Je fais beaucoup de balades en montagne, j'aime beaucoup ça. Avant, je faisais de la grimpette, des glaciers, tout ça. Maintenant, je marche tranquillement en fond de vallée, mais j'adore autant. J'ai avec des amis, on profite du temps présent, on fait un effort physique, on est heureux ensemble. On a du plaisir ensemble, donc on est heureux. Voilà. C'est pour moi le plaisir ensemble, on franchit la ligne entre... Si le bonheur est partagé, si le plaisir est partagé, ça devient du bonheur. C'est pas pour moi. Chacun ses définitions. Ça se décuple, oui. Quelle est la chose la plus importante que vous ayez appris sur vous-même pendant cette... épopée entrepreneuriale? Oh, une confiance en moi. Je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. J'ai des faiblesses énormes. Sur le plan professionnel, j'ai une bonne confiance en moi, oui. Donc, j'ai appris ça, que je pouvais me fier à moi. Et donc, confiance d'un con avec. Fiance, je peux me fier, hein, ça donne des fiançailles. Donc, la confiance en moi... vous avez confiance en vous, ça se voit, et j'aime bien. Oui, celui qui n'a pas du tout confiance en lui, à la limite, c'est la dépression. Quoi. Moi, je suis pas psy, hein, mais mon boulot en tant qu'animateur d'entreprise, encore aujourd'hui chez Humus, c'est d'aider les gens à avoir un projet et donc avoir confiance en eux. C'est complètement lié. Oui, complètement. Le fait de se raccrocher à quelque chose de plus grand, de sentir qu'on est appelé ou qu'on réalise quelque chose qui nous tient à cœur, permet de mettre de la distance avec, je trouve, en tout cas avec ses émotions, et on se raccroche au projet, à la mission et on avance. Vous êtes plus intellectuel que moi. Ou plus intelligent, j'en sais rien. Non, moi, c'est plus terre à terre. Mais ceci dit, vous le dites très bien, au-delà de... Dans l'action, vous vous réalisez, quel est... en quoi peut-être apprendre à vous connaître, apprendre à se connaître, vous parliez de vos forces, de vivre avec vos faiblesses, a été important pour vous? Ah oui, ça c'est très important. Et c'est l'avantage de l'âge. Savoir un peu qui on est, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Savoir que je suis un homme, pas une femme, par exemple. Moi, c'est très clair pour moi. J'aime bien, c'est tout simple. J'aime bien de savoir qui je suis. Oui, parce que ça me permet d'être mieux.
être soi-même, s'aimer soi, mais pas au sens narcissique, hein, mais savoir, on ne peut aimer que ce qu'on connaît. Donc si on se connaît pas, on peut pas s'aimer, je crois pas. Donc il faut mieux se connaître. Mm. Je dis ça, mais il y a des gens très très simples qui ont passé pas beaucoup théorisé ce qu'ils sont et pas mis des mots, mais qui sont quand même heureux. Mais je pense que de savoir qui on est, ça permet d'être plus heureux. Mm. Ouais, ça c'est très intellectuel. Ah non. Ouais, non, c'est beau concret, surtout. C'est d'expérience. C'est beau. Donc aujourd'hui, parlons de cette équipe de choc que vous avez ici avec Humus. Pas de choc, non. Pas de choc. Bon, ouais, qu'on adore en tout cas. Box, pas de grande boxe. Donc vous aidez aujourd'hui d'autres dirigeants à remettre le sens et l'homme au cœur de l'entreprise. C'est d'abord que l'entreprise ait un sens explicite. J'aime beaucoup ce mot-là. Explicite, ça veut dire qu'on peut l'expliquer, qu'on l'a expliqué, que c'est clair, que le pourquoi est clair. Si c'est l'argent, que ce soit clair, c'est l'argent. Il ne faut pas se déguiser, être différent de ce qu'on est, ça, je n'aime pas du tout. Quand l'être est différent du paraître, je pense que ça ne développe pas du tout d'énergie ni de confiance. Dans le couple, dans la relation de couple, dans la relation en entreprise, dans une entreprise, c'est une personne morale, et une entreprise peut avoir un paraître différent de son être. Parce que c'est dirigé par des filous, par des gens qui veulent se donner des vertus, mais en fait, il n'y a que l'argent qui les intéresse. C'est mieux que rien. Donc, je ne vais pas être trop négatif, c'est mieux que rien. Mais quand l'être est égal au paraître pour l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle a un sens explicite qui mobilise ses collaborateurs, parce que les collaborateurs partagent ce même sens, ce même pourquoi, ce même pour qui quoi, l'entreprise, elle a une énergie énorme, oui. Et avec des énergies qui se multiplient les unes les autres. Donc c'est comme une réaction nucléaire, quoi. C'est très puissant. Et je pense que ce qui est arrivé des boîtes que je connais bien et que j'aime, comme Leroy Merlin, comme Decathlon, et plein d'autres boîtes, c'est là je les connais bien. Oui, on sous-estime souvent le pouvoir de l'authenticité, c'est ce que vous décrivez, c'est ce... Oui, être vrai, être qui on est, paraître qui on est, pardon. Mm. Mais moi, le sens d'entreprise, pour moi, l'argent est le moyen et pas le but. Et donc, que l'entreprise explicite un sens, si c'est l'argent, c'est bien. Si c'est mieux que l'argent, si c'est l'homme, le but, pour moi, la valeur sur cette terre, c'est l'homme. Et donc, si le but, c'est l'homme, c'est le bonheur de l'homme, eh bien, vos collaborateurs, ils vont avoir une énergie dingue. Parce qu'ils aiment. Ils aiment eux-mêmes et ils aiment leur congénères. Mmh. Les hommes aiment les hommes. Ça, c'est une des caractéristiques de l'humanité que j'aime bien. Mmh, j'adore. J'ai interviewé un poète africain et qui me dit... Je suis ni africain ni poète. mais il vous rejoint, donc comme quoi. Et il me dit, l'homme a besoin de l'homme. C'était son message. Oui. Je trouve ça très juste. On a tellement tendance à l'oublier que... et donc, ces valeurs... d'authenticité, de sens, de générosité, ce bonheur, c'est quelque chose... Moi, j'aime bien généreux et responsable, parce que... Et de responsabilité. Quelquefois, je l'avais écrit généreux, mais responsable, parce qu'il y a une petite dialectique entre les deux mots. Votre enfant, si vous avez la chance d'avoir un enfant, vous dit « Papa, je voudrais avoir un carambar avant d'aller me coucher », je dois lui répondre non. De lui expliquer pourquoi. J'ai dit « Sinon, tu auras des caries quand tu seras plus grand. » Et c'est pas agréable. Et quelquefois, c'est pas beau. Et donc... Non, je t'aurais dit non pour un carambar. Papa, tu m'aimes pas? Non, je t'aime beaucoup, mais je suis responsable. Ok, donc on ajoute cette responsabilité. Ah, moi, j'aime beaucoup. Donc, toutes ces valeurs, vous essayez de les retransmettre et de les vivre au travers notamment d'Humus. Peut-être que... Est-ce que vous pourriez... Chez Humus, de les transmettre, oui. Oui, de les transmettre. Est-ce que vous pourriez peut-être nous partager, parce que ce qui est intéressant en discutant aussi avec Laure, avec Julien, c'est la manière dont vous avez structuré l'association, la gouvernance. Peut-être vous pourriez nous en dire un petit mot là-dessus. Le pourquoi d'Humus, c'est que plus d'entreprises aient un sens,
que plus d'entrepreneurs aient un sens, que plus de collaborateurs aient un sens à leur vie professionnelle, et si possible, que ce sens soit humaniste. Mais d'abord qu'ils aient un sens, et que si le sens est l'argent, qu'ils ne trichent pas. Que ce soit tout simple. À ce moment-là, si mon sens c'est l'argent, je vais faire Golden Boy à Londres. Je vais spéculer sur les entreprises, sur les monnaies, sur les matières premières, etc. Je ne crois pas que ça ait beaucoup d'avenir, ça. Je sais que c'est une profession qui est très désirée parmi ceux qui ont fait des grandes études comme vous, et donc qui vont faire Golden Boy à Londres ou ailleurs. Moi, j'ai visité des places de marché. Bon, c'est tout. Leur métier, c'est de faire de l'argent avec de l'argent. J'ai rien contre. Je pense qu'il paraît que c'est nécessaire, mais moi personnellement, c'est pas mon but à moi. Mon but à moi, c'est de voir des clients et que ces clients, ils aient la banane, voilà, tout simplement. J'adore ça. Et que les collaborateurs, ils vivent ce sens de voir des clients heureux. Je voudrais aborder aussi avec vous, Michel, déjà, c'est super ce que vous faites ici avec Humus et aider voilà, ces entreprises à... Leur donner envie. Excusez-moi, je vous coupe. Allez-y. Leur donner envie et après, peut-être leur donner quelques méthodes. Parler de la notion de vision, la notion de projet, la notion de missionnement, la notion de périmètre de responsabilité, très clair, etc. Parce que dans beaucoup d'entreprises, les gens leur disent ce qu'ils doivent faire, mais on ne leur donne pas un périmètre de responsabilité, on ne les forme pas sur ce qui se passe autour. Donc ça fait des exécutants. Alors que moi j'aime bien que dans l'entreprise, chez Decathlon, il y a 95 000 personnes, un truc comme ça, qu'il y ait 95 000 responsables. Des gens qui sachent pas comment ils doivent faire, mais pourquoi ils doivent le faire. Et qu'après, ils puissent inventer le comment. Alors, qui dit responsable, on va parler aussi un peu de management. Qui dit oui. Responsabilité dit oui. Aussi... ça. Racontez-nous le moment le plus difficile que vous ayez eu en tant que manager. Me séparer de personne. Virer des gens. Je déteste ça. J'ai dû virer des amis, dont un auquel je pense. Et comment j'avais est-ce plus, que... J'avais plus de quoi le payer, donc j'ai dû, au moment où Decathlon a eu un petit passage à vide, donc j'ai dû m'en séparer, je déteste ça. C'est pas généreux du tout, mais c'est responsable. C'est cette opposition, vous voyez, entre responsable et généreux, des chefs d'entreprise, des responsables d'entreprise doivent le vivre tous. Alors les journaux, les salauds, ils ont viré de 200 personnes par-ci, ils ont fermé un entrepôt, tout ça. Il y en a qui font ça de manière pas bien, certainement. C'est pas facile, j'ai pas à juger ce que font les autres, mais c'est dans le boulot de responsable d'entreprise, c'est vraiment pas la partie la plus marrante, hein, bien, tant s'en faut. Et comment est-ce que vous avez traversé ça? Comment est-ce que vous l'avez abordé? Ah ben, mieux que les gens que j'ai virés, hein, faut pas non plus. Je vais pas me faire pleurer dans les chaumières, hein, sinon. Decathlon marche très bien, donc parce qu'on a eu des comportements responsables. C'est comme, vous vous raccrochez à cette notion de responsabilité. Après une guerre, on pleure les morts, mais on fait de la victoire, mais on danse. Donc, Alors, et les victoires, le meilleur moment que vous ayez vécu en tant que manager? Oh, j'en ai 10 milliers. Un particulier peut-être à nous raconter? Les difficultés vaincues, oui. C'est comme en montagne, ça, c'est quand c'est trop... C'est plus marrant quand c'est un petit peu dur, quand même. C'est pas. Ouais. Ça va être maso, je ne suis pas du tout maso. Mais... Et dernière chose que je voudrais aborder avec vous, Michel, c'est l'entreprise et... Les difficultés vaincues ensemble. Partagées. Alors, la notion de groupe est très, très importante. Et c'est pas je suis plus fort que les autres. C'est ensemble, on a réussi quelque chose. C'est ça qui crée du bonheur. C'est pas une difficulté surmontée ensemble, comme en montagne. On en prend plein la figure, de la neige fondue qui tombe avec un vent de 80 km/h de face, etc. Ça grimpe comme ça. On a la trouille parce qu'il y a un ravin sans branche ni du tout pour faire un arrêt si on tombe. Et puis on arrive en haut ensemble. C'est top, quoi. Ensemble. Ouais, ouais. Et s'appuyer les uns sur les autres. En bateau aussi. Oui. S'appuyer les uns sur les autres. En tout cas. Avoir un objectif commun, ça provoque l'entente. Que ce soit dans le couple ou dans la vie professionnelle, je pense que d'avoir un objectif commun, c'est des émotions qui passent pour moi, excusez-moi, mais
c'est très important. Et c'est pour ça que l'entreprise, si la mission est claire et si le pourquoi est partagé, il faut qu'il soit très clair et qu'il soit le critère d'embauche. Hein. Le critère d'embauche, le critère de recrutement, c'est le partage du sens. Quelqu'un qui n'aime pas les clients, qui n'aime pas les collaborateurs, ses collaborateurs, qui n'aime pas ses collègues, qui n'aime pas ses subordonnés, ses collaborateurs, qui n'aime pas son patron, ben il faut pas qu'il reste dans la boîte, hein, il faut qu'il quitte. Mais s'il y a un projet commun fort, ben les gens vont s'aimer les uns les autres, ils vont s'apprécier. C'est les camarades de guerre, c'est les camarades de croisière, de navigation en bateau à voile, par gros temps, ben ça soude les équipes. Hein, c'est oui. pas... Michel, il y a quelques années, à une conférence, vous avez parlé de l'importance d'un duo qui marche bien, c'est le sage et le fou. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce concept rapidement? Dans ma vie professionnelle, j'ai vu des couples, enfin des duos qui fonctionnaient très bien. Par exemple, Gérard Mullier, Roger Brouwers, à la tête d'Auchan au début. À l'époque, je disais le fou, le sage. Donc Gérard Mullier, le fou, et Roger Brouwers, le sage. Et Gérard Mullier pouvait être d'autant plus fou que Roger Brouwers était sage. Ils s'entendaient très bien, ils s'écoutaient l'un l'autre. Et dans ma vie, je me suis aussi planté quand j'ai pas eu de sage à côté de moi que j'écoutais pas. Ou que j'en ai eu un que j'écoutais pas. Ce qui est encore plus grave que de ne pas en avoir, parce qu'on croit que le rôle est rempli et en fait il n'est pas. Donc, cette dualité, aujourd'hui j'aime mieux les mots responsable et généreux. Avant je disais le fou, le responsable, le généreux, pardon, et je disais le sage, maintenant je dis le responsable. Donc, cette dualité, j'ai pas envie de citer des hommes politiques ou des femmes politiques, mais regardez dans les présidents français ceux qui avaient un sage à côté d'eux. Le rôle du président, le rôle du directeur général, le rôle de l'animateur, c'est la générosité. C'est faire confiance aux gens, c'est aller de l'avant, conquérir le monde, faire des super produits pas chers, etc. dans nos métiers. Et le rôle du sage, c'est d'essayer d'organiser, de prévoir le scénario d'échec supportable. Ça, c'est très important. Que s'il y a un scénario de succès, il y a un enjeu gagnant, et à côté, il faut le rédiger, c'est très important. Pas forcément le mettre dans le journal, mais rédiger le scénario d'échec supportable. Si tous les indicateurs sont mauvais, s'il pleut quand il doit faire beau, s'il fait beau quand il doit pleuvoir, il faut que l'agriculteur soit prêt à affronter ça. Et s'il aura plus son scénario d'échec revient été écrit, plus il leur préparait les munitions financières ou de pouvoir ressemer une deuxième semaille. Et pour les militaires, comme j'ai des amis militaires, c'est le scénario d'échec pour eux, c'est très très important. S'ils ne le font pas, quand Kennedy est parti faire la guerre au Vietnam, il n'avait pas écrit le scénario d'échec. Je ne crois pas. Et il y en a d'autres qui sont plus près de nous, mais ça, ça touche encore des hommes politiques actuels, je ne vais pas le dire, mais des gens qui ont fait des actions et qui n'avaient pas, ça se voit très bien, pas écrit le scénario d'échec. Et puis malheureusement, ça a été des échecs. Et au-delà de ça, ce que vous partagez tout à l'heure, c'était aussi cette notion d'intelligence collective. Vous recommandez ce bouquin de... Oui, j'ai eu la chance de lire le livre de Émile Servan-Schreiber qui s'appelle Super Collectif et qui parle de l'intelligence collective. Donc, c'est lié avec cette notion de fou et de sage. Des gens différents, s'ils sont tous homogènes, s'ils ont tous fait polytechnique, ça ne va pas marcher. Il faut des gens différents. Mettre un gars qui a fait polytechnique, une femme de ménage, un directeur général, une hôtesse de l'air, une hôtesse de caisse, une hôtesse de l'air, chez Air France, évidemment, dans des groupes de réflexion hétérogènes, et qu'ils s'écoutent l'un l'autre, que tous parlent et que tous s'écoutent.
eh bien, si ils sont bien différents les uns des autres, ils vont trouver des idées géniales. S'ils se respectent, si c'est pas « pauvre andouille, tu n'es pas de mon avis », mais « ah, c'est intéressant, tu n'es pas de mon avis », et donc essayer de trouver des solutions qui ont bien plus de chances de marcher s'il y a une intelligence collective de multiplication des intelligences et non pas d'addition, donc c'est beaucoup plus fort, qu'une réflexion individuelle ou parmi des gens qui étaient tous des financiers, tous des ingénieurs, tous des commerciaux, ouais, ben ils vont trouver des solutions qui sont moins géniales que s'il y a une grande hétérogénéité. Donc, c'est pour ça que j'aime bien, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime le fou, ou le généreux, le sage, ou le rigoureux, mais aussi le commercial, le technique, l'ingénieur, et le financier. Oui, il faut des financiers aussi, qui disent attention, les munitions, il faut les garder. Et alors Michel, on a abordé tout au long de cette heure ensemble ces notions de religion, ou en tout cas des religions, d'amour, etc. La question, et je voudrais vraiment l'enregistrer là, c'est est-ce que la foi a eu un rôle dans votre capacité à surmonter les obstacles ou est-ce que c'est autre chose ? Non, je suis pas du tout un spécialiste de religion, je ne suis pas moi-même religieux, j'ai été élevé dans la religion catholique. Aujourd'hui, si j'avais une religion, ce serait plutôt une religion chrétienne que la religion catholique, parce que j'adore le message évangélique, aimez-vous les uns les autres, il n'y a que ça, c'est un seul commandement, c'est l'amour. Donc j'aime ça. Pour moi, l'amour, c'est forcément l'amour de quelqu'un, et non pas l'amour de l'amour. Même si j'aime l'amour, mais j'aime l'amour que je peux aimer l'amour que si j'aime quelqu'un, si j'aime des gens. Que l'amour, c'est quelque chose de très concret pour moi. C'est pas des prières, c'est pas des gens dans des couvents qui font des dizaines de chapelets et qui chantent. C'est très bien s'ils sont heureux en faisant ça, je n'ai pas à les juger. Mais moi, je suis un homme d'action, et j'aime l'action. Dans l'évangile dont vous parliez, il paraît qu'il y a une phrase, mais je ne sais pas où elle est cachée, qui dit « il n'y a pas d'amour, il n'y a que des actes d'amour ». Et j'aime beaucoup ça. Donc, mais je n'ai pas à juger. Je connais de très près de beaucoup de gens qui sont très religieux, qui aiment aller à la messe et chanter, etc. ensemble. Je n'ai pas à les juger. J'aime ça. J'ai des amis prêtres, j'ai eu des oncles et je ne suis pas du tout ennemi, mais j'aime mieux responsabilité et générosité que des clochers, plus belle église que la tienne, les décors somptueux, Saint-Pierre de Rome, j'aime pas. Bon, chacun ses goûts. Mais surtout, les cathédrales gothiques, quand elles sont bien austères, c'est pas le mot, elles sont tellement belles, je les aime, mais je ne me battrai pas pour ça. C'est pas, moi, je me bats pour qu'il y ait des gens qui soient moins malheureux et puis des gens qui soient plus heureux. C'est ça mon truc. Cet amour de l'humanité et de l'homme. De l'homme, donc de l'humanité. L'humanité, c'est quelque chose d'abstrait. L'homme, les gens que je croise dans la rue, c'est quelque chose ce sont des gens concrets. Merci Michel. Je vais vous poser les dernières questions de fin et qui est un peu le rituel du podcast. Quelle est la leçon que vous avez mis le plus de temps à apprendre? Je sèche. Là, parce que le mot leçon, c'est pas mon truc. Je crois que c'est prudence, mais parce que j'ai fait des tas de bêtises, alors faisons trop confiance. Donc, confiance éclairée. Vérifier que les gens sont généreux et responsables avant de leur confier des grosses responsabilités, oui. Mais si on se trompe, il vaut mieux se tromper en faisant trop confiance que se tromper en ne faisant pas confiance. Parce que là, on est sûr de perdre. En faisant trop confiance, on a quelques chances de ne pas réussir. Quelle est la question que tout le monde devrait se poser au moins une fois dans sa vie? Pourquoi?
Qu'est-ce qui vous a... Pourquoi je suis là? Pardon. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai à faire? Pourquoi? Quel est le pourquoi de ma vie? Et, mais il faut se la poser à tout âge. Hein, et même si on a déjà la réponse, il faut se la reposer. Puisque c'est... Il faut s'adapter tout le temps. Et puis à son âge. Moi, j'ai 81 ans. C'est pas le même pourquoi qu'à 18. Qu'est-ce qui vous a aidé à dépasser les difficultés? Le sens, le pourquoi. Remonter sur... prendre du recul, prendre de la hauteur de vue sur l'obstacle, sur la difficulté, comme vous dites. Et surtout si on est en groupe. Ouais. Parce qu'une difficulté seule, c'est dur, bien plus dur. Difficulté partagée, c'est bien moins difficile. Et essayer de remonter sur le pourquoi. Et à ce moment-là, sur le pour qui, quoi. Et dès qu'on a le pour qui, on va trouver des stratégies face à cette difficulté, face à cet échec, face à cet obstacle. Alors que il faut prendre 5 minutes, pas 3 heures, pas des longs séminaires, et se reposer la question pourquoi, et tout de suite le comment arrive. Mais s'il n'y a pas de pourquoi, c'est moins facile de trouver ensemble un comment commun. Que croyez-vous avec certitude? En l'amour, en la capacité des hommes de s'aimer les uns les autres, de se rendre service. Le besoin d'être utile aux autres est énorme. Et il y a des gens méchants, mais il y en a très peu. C'est des gens blessés, qui n'ont pas pu exprimer leurs blessures, qui l'expriment par de la violence. Mais il y en a très peu. Mais il ne faut pas les laisser nuire, mais il y en a très peu. Et par contre, des gens généreux, des gens qui ont envie d'être utiles aux autres, il y en a plein. Merci. Complétez cette phrase. Le monde a besoin... L'amour. On a besoin de gens généreux et responsables. Oui. C'est ce que je vous ai dit pendant toute cette interview. Je tourne autour. Il y a certains qui me disent, Michel, tu répètes toujours la même chose. Bien oui. C'est l'essentiel. Merci Michel. Merci. Merci infiniment à Michel Leclerc pour cette conversation. Merci à l'équipe du MUS et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si l'épisode vous a plu et que vous voulez nous soutenir, alors partagez cet épisode sur LinkedIn. C'est ce qui nous aide le plus à le faire connaître et à diffuser le message que oui, un monde du travail plus humaniste est possible. Merci encore pour votre soutien durant cette saison. Pour être tenu au courant des prochains épisodes, le mieux est de m'ajouter sur LinkedIn. C'est là-bas que je partage toutes nos actualités. Bel été à vous et prenez soin de vous.